Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le 23 décembre dernier, le Tunisien Anis Amri commettait un attentat au nom de l'organisation État islamique sur le marché de Noël à Berlin, entraînant la mort de 12 personnes en blessant 56. Ce débouté du droit d'asile, que certaines associations avaient sûrement qualifié de chance pour l'Allemagne, a pu, et sans aucune difficulté, après avoir commis son crime barbare, traverser non seulement l'Allemagne, mais aussi les Pays-Bas et la France, avant de rejoindre Milan où sa cavale, pour ne pas dire sa balade, a pris fin grâce aux carabiniers italiens qui l'ont abattu. Cet attentat et le périple entrepris par Amri et qui lui a permis de traverser la moitié de l'Europe ont mis un peu plus en évidence les dangers mortels que fait peser le laxisme de votre modèle européen sur la sécurité de nos compatriotes. Terroristes islamistes infiltrés par les cohortes dites de réfugiés qui ont frappé au Bataclan à Paris. Terroristes islamistes déboutés du droit d'asile qui a frappé à Noël à Berlin. D'un côté comme de l'autre du Rhin, l'idéologie d'une Europe sans frontières et donc sans contrôle a entraîné les mêmes drames en faisant couler le même sang, celui des innocents. Votre laxisme érigé en dogme n'aura pas oublié d'investir le plan local puisque les préfets, celui des Bouches-du-Rhône en tout cas, a exigé, et ce en plein état d'urgence, la suppression des conditions nécessaires à l'octroi par les maires d'attestation d'accueil permettant à des étrangers de venir passer 90 jours maximum dans notre pays. On reste abasourdi et scandalisé devant autant d'aveuglement idéologique aussi, et même si votre CDD touche à sa fin. Qu'attendez-vous, Monsieur le ministre, pour sortir notre pays de l'espace Schengen en rétablissant, comme les Français le souhaitent, nos frontières nationales? Qu'attendez-vous, Monsieur le ministre, pour réformer en profondeur le droit d'asile, puisque selon la Cour des comptes, 96% des déboutés restent sur notre sol? Qu'attendez-vous, Monsieur le ministre, pour permettre aux maires de contrôler qui peut pénétrer chez nous en appliquant les nécessaires vérifications administratives? Qu'attendez-vous, Monsieur le ministre, pour prendre les mesures qui s'imposent pour rétablir la première des libertés à laquelle les Français ont droit, celle de vivre en sécurité?